Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Colisée de la Sarre, dans le cadre de la 52e édition du tournoi national Bantam. Et j'ai la chance d'être, et l'honneur, je devrais dire, d'être avec le président du tournoi, M. Jasmin Cameron. Bonjour Jasmin. Salut François. Ça va bien? Ça va très bien. Et voilà, c'est parti maintenant, une première partie qui vient de se terminer. Oui, oui. On a eu un beau match, fini 4-0. Zéro pour les Murs Cameron. Un petit parti pris. Mais en tant que président du tournoi, je ne dois pas avoir de parti pris. Dis-moi, Gaspin, cette année, combien de clubs en tout? Nous avons 26 équipes cette année. 26 équipes. Ouais. Toujours trois classes. Trois classes, on a dans le B, dans le A et dans le 2C. Et est-ce qu'il y a des équipes à surveiller? Est-ce qu'on sait? Il y a des équipes de l'extérieur aussi? L'extérieur, on a de l'extérieur des équipes du Nord-Est ontarien, Timmins, Hearst. Et d'autres qui m'échappent. On a Mont-Laurier. Mont-Laurier du côté sud du parc. Et puis la majorité des équipes régionales aussi. Oui, évidemment, toutes les équipes régionales sont ici. Et à quoi s'attendre? Nos finales sont toujours le dimanche en après-midi. Demain soir, le match d'ouverture. Oui, demain soir, on a le match d'ouverture qui va opposer les Lions de la Sarre. Puis auparavant, on a des équipes locales qui vont jouer aussi. Je pense que c'est les optimistes et puis le Cameroun aussi. Donc, déjà vers 5h, 6h, les premiers matchs qui sont locaux. Oui, 4h30, je crois. Ouais. Voilà, bien, on va souhaiter bonne chance à toutes les équipes. Ben, merci. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bonne fin de semaine du tournoi. En fait. Ouais. Merci beaucoup. Donc, c'était directement du Colisée de la Sarre.